n'est pas toujours celle qu'on voudrait, n'est pas toujours réjouissante. Et comme vous le savez certainement, la semaine dernière, une villaroise était connue de beaucoup de gens, qui était aimée par sa famille, qui était appréciée par son voisinage, qui était estimée par les personnes qu'elle côtoyait dans la vie associative, a perdu la vie renversée par une voiture dans le haut de l'avenue Paul Muller. Si le moment n'est pas encore et n'est pas à discuter sur des mesures et des évolutions dont certaines sont déjà demandées ou en cours. En revanche, le moment est d'avoir une forte pensée pour elle et pour sa famille. Donc, je vous propose de respecter une minute de silence en mémoire de Sylvie Lévesque, où que vous soyez. Merci de vous lever. Merci. Comme vous le savez peut-être également, une enquête est en cours, une enquête sur laquelle je n'ai pas d'éléments ni à communiquer, ni d'ailleurs reçu de ma part, et donc pour laquelle je demande qu'on attende avant toute conclusion hâtive. Cyril Perrault a demandé la parole, je la lui donne. Oui, merci, bonsoir à tous. Bien évidemment, l'heure n'est pas à la polémique, mais nous souhaitons d'abord penser à la famille de Sylvie Lévesque. Mais il est vrai que nous sommes tous très inquiets et depuis longtemps sur les conditions de circulation et de sécurité sur notre territoire, sur certains axes, le boulevard des Aiguillettes, là du Paul Muller, la 33, et c'est vrai que même si par le passé des expériences de limitation de la vitesse sur la rue Paul Muller ont été tentées et que certains Villarois ont été émus, je crois qu'aujourd'hui il ne faut proposer, en tout cas discuter de décisions qui seraient de nature à limiter les risques, hein, je ne dis pas à les empêcher totalement. Mais c'est vrai que la question de la limitation de la vitesse sur la rue Paul Muller, notamment sur la partie un petit peu, et d'ailleurs entre deux zones à 50, on a une zone à 70, mais de plus en plus sur ce secteur-là, entre le parc de Brabois et le plateau, nous avons beaucoup de piétons qui randonnent, et je crois qu'il faut vraiment qu'on se pose la question de la limitation de vitesse à 50 sur ce secteur, mais je crois qu'il faut aussi qu'on se pose la question du respect des limitations qui sont aujourd'hui décidées, que ce soit sur le boulevard des Aiguillettes, que ce soit dans Clérieux, que ce soit dans la rue de Vendeuve, que je connais bien, et où je vois que le radar pédagogique fonctionne très souvent au rouge, et je crois qu'il faut vraiment que nos concitoyens, les usagers de ces grands axes s'engagent à respecter la limitation de vitesse. Et si ce n'est pas le cas, je crois qu'il faudra que des décisions soient prises au niveau municipal, au niveau métropolitain, pour mettre en place soit des radars, soit des radars tronçons. Je crois que sur la question de la 33, il y a eu aussi, depuis le début de l'année, des accidents graves. Heureusement, pas sur le secteur de Villers, mais ça ne change rien au problème. On en a connu par le passé, et je crois que c'est vraiment le moment de se poser la question globalement de la sécurité routière
pour l'ensemble des usagers, que ce soit les piétons, les vélos. Je rappellerai que les piétons, de toute façon, quel que soit, et encore, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, quelles que soient les conclusions de l'enquête, hein, les premières informations que j'ai sont que cette personne avait bien traversé sur le passage protégé. Et même si ça n'avait pas été le cas, je crois que de toute façon, un piéton doit être protégé, quelles que soient les circonstances de la traversée. Donc, c'est vraiment une question aujourd'hui importante qu'il faut qu'on règle parce que je crois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'accidents ces dernières années. Et vraiment, je m'associe à la douleur de la famille, évidemment. À l'émoi que ça a pu causer au sein de son club de randonneurs et puis globalement sur l'ensemble de la commune. Merci, je ne souhaite pas qu'on ouvre un débat, mais ça n'est pas votre cas, hein, donc j'ai pas de problème. Et juste pour vous indiquer que je partage une grande partie des conclusions des propositions qui viennent d'être faites là. Les temps changent, et ça n'est pas parce que, effectivement, la limitation à 50 que nous avions tenté en 2015 n'avait pas obtenu l'adhésion que. Il ne faut pas changer plusieurs années après. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas eu satisfaction lorsque j'ai proposé en 2014 le passage à 90 km/h de l'autoroute A33 au niveau précisément du lieu de l'accident sur Houlmont et sur les arrières de Clairlieu que nous n'aurons pas au final gain de cause. J'avais en 2006. En 2000, ou avant, bien avant, en 2003, proposer la mise à 110 de l'autoroute A31 et j'étais passé pour un farfelu. J'observe que les choses évoluent et donc on aura l'occasion, hein, bien entendu, d'en reparler dans des conditions plus appropriées. Merci. Merci toujours avant d'ouvrir notre conseil municipal et toujours, je dirais, dans une forme aussi de difficulté, quelques éléments sur la situation sanitaire, notamment sur la situation sanitaire dans les services municipaux. Elle est tendue comme probablement partout. La semaine passée, nous avions environ 10% de nos effectifs qui étaient positifs, avec une concentration de ces cas positifs sur les services les plus en contact avec les jeunes enfants, dans les crèches, dans les écoles, dans les services périscolaires. Nous plaçons également je dirais, pas en confinement, mais nous permettons aux parents dont les enfants, aux agents donc, dont les enfants sont positifs, de pouvoir rester chez eux. C'est un geste pour eux et c'est un geste aussi de précaution. Donc, 50% par exemple de nos ATSEM ont été touchés par cette vague de Covid. Aujourd'hui, nous avons quatre classes fermées, une à Suzanne Abelinier-Lobert, une un CE2 aux Aiguillettes et deux classes à la maternelle de Ruay. Je voudrais dire que tous les agents, je vais revenir sur quelques éléments qui ont été pris, mais surtout, tous nos agents sont des agents de première ligne et se comportent comme tels. Je constate que devant une difficulté absolument insoluble et avec, il n'a jamais été dans mes propos de critiquer les protocoles, mais parce que je ne voulais pas les critiquer sur le plan sanitaire, mais quand un protocole est profondément inapplicable, sur le plan organisationnel, il devient mauvais et critiquable. Et donc, je constate que ce qui s'est passé depuis la rentrée dans les écoles méconnaît profondément, d'une part, la situation des parents, la situation des agents périscolaires, la situation du corps enseignant, évidemment, et que nous nous sommes trouvés dans des difficultés très importantes.
Jusqu'à présent, et je dis jusqu'à présent en prenant peut-être un joker sur aujourd'hui, parce que je n'ai pas eu l'information sur aujourd'hui, nous avons réussi à accueillir tout le monde, ou en tout cas, dans certains cas, seulement les enfants des publics prioritaires, puisque dans certains cas, comme vous le comprenez, nos propres agents étant sur le flanc, il n'a pas été possible systématiquement de le faire. Nous avons pu accueillir tous les enfants les jours de grève. Et je voudrais à ce titre remercier plusieurs clubs sportifs de Villers qui se sont mobilisés pour répondre à cette difficulté. On n'était plus en état de le faire nous-mêmes et ils nous ont proposé des encadrants compétents et adaptés. Et à ce titre, c'est un vrai geste de solidarité. Nous distribuons maintenant en maternelle les masques FFP2 pour que nos personnels périscolaires soient équipés au meilleur niveau possible. Dans les crèches, nous avons une certaine tension aussi, comme je l'évoquais, et par bonheur pour l'instant, mais ça se gère un peu au jour le jour. Le cumul des encadrants absents et des enfants absents pour les mêmes raisons souvent permet quand même de faire face. Nous avons bien évidemment tout fait pour mettre en œuvre dans les services qui s'y prêtent, et malheureusement cela ne s'y prête pas, dans les services qui s'y prêtent, le télétravail dès la rentrée de janvier et qui est prolongé au moins jusqu'à la fin de la semaine. Et je pense qu'on peut d'ores et déjà prévoir que la semaine prochaine sera assez proche. Nous prenons évidemment en compte à la fois les nécessités de service, mais aussi, bien sûr, la situation de télétravail dans laquelle les agents peuvent se trouver, et puis aussi leurs propres demandes. Bien sûr, tous les agents n'ont pas la même appétence pour le télétravail. En tout cas, tous ceux qui ont basculé ont pleinement joué le jeu. C'est du télétravail. Il n'y a vraiment pas de débat là-dessus. Et il y a, je dois dire, une solidarité, y compris inter-service, qui mérite d'être soulignée dans ces conditions et dans cette situation qui n'est pas facile. Voilà, je voulais vous faire ce point parce que, évidemment, où qu'on soit, on est aujourd'hui quand même dans des conditions d'exercice de nos missions ou de nos métiers qui sont loin d'être optimales. Et il faut, voilà, il faut de la volonté et de l'adaptabilité, ils en font preuve. Ce sera d'ailleurs, du coup, l'occasion d'en parler un peu plus avant avec les principaux dossiers de ce soir. Je vais y revenir, mais il nous faut quand même commencer et ouvrir pour la bonne forme notre conseil municipal. Donc, je vous propose, même si elle semble et qu'elle est, je le sais, globalement un peu amoindrie par la maladie, que Stéphanie Texeira assume quand même en télétravail cette mission, si elle l'accepte et si vous en êtes d'accord, on leur remercie. Et nous pouvons passer aux décisions du maire. Y a-t-il sur ce sujet des questions? Ah oui, on me dit qu'il faut que je fasse un appel des présents. Alors, c'est peut-être pas faux. Je reprends mon listing, pardonnez-moi. Valérie Rampon. Son micro est éteint. Présente. Olivier Hérault. Présent. Nathalie Angèle. Présente. Pascal Jacquemin. Enfin, Présent. oui, j'ai aperçu sa connexion tout à l'heure. Oui. Blandine Souvet. Présente. Stéphane Klopp, je l'ai aperçu. Présent. Marie-Claude Deluz, je l'ai aperçu également. Présente. Gérard Pals. Présent. Anne Thouvenot-Stemlen. Présente. Patrick Fèvre. Présent. Christine Fléchon-Paglia. Présente. Didier Bégouin. Présent. Pascal Tilly.
Présente. Jean-François Trassard. Annie Laurin. Présente. Éric Ancel. Présent. Stéphanie Texera. Présente. Bertrand Foltz a donné procuration à Didier Bégouin. Maryse Guéry. Présente. Bernard Monjol. Présent. Véronique Pierron. Présente. Francis Sigrist. Présent. Marie-Hélène Chipot. Présente. Laurent Mathieu. Présent. Éric Kefflin. Présent. Cyril Perrault. Présent. Valérie Bozertlec. Présente. Charles-Antoine Boivin. Présent. Gilliane Simonin. Présente. Anne-Marie Vergnat. Présente. Smaïl Haït-Mézian. Et Sylvie Mongeon avait donné procuration, mais je crois qu'elle est présente. C'est ça, on est d'accord. Donc elle est bel et bien présente. Il n'avait pas noté que c'était en visio et donc d'accord. Il y a eu un changement oui. De. Voilà. Voilà, merci. Ok, merci. Nous passons aux décisions du maire, les DIA et les autres décisions. Y a-t-il des questions? Non, s'il n'y en a pas, bah écoutez, merci. On peut poursuivre avec l'approbation du compte-rendu du conseil, de notre dernier conseil du 13 décembre 2021. Y a-t-il des questions, des adjonctions? Y a-t-il donc des oppositions, des abstentions? Merci pour le compte-rendu. Et donc, la délibération numéro 1 est un débat sur la protection sociale complémentaire. C'est un débat qui a été qui est exigé par la loi, que par conséquent nous organisons à ce titre, mais que nous avons souhaité avec Blandine replacer plutôt dans un contexte plus global, plus général de la situation sociale de notre commune. Et donc nous avons un peu élargi le débat. On peut bien comprendre cette question de la protection sociale complémentaire que si on a une idée relativement précise de la situation de notre commune. La parole est à Blandine Souvou. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une couverture sociale apportée aux agents en complément de celle prévue par le statut de la fonction publique et de la sécurité sociale. Nous verrons successivement les principes généraux, l'évolution des textes, quelques données contextuelles et où nous en sommes au niveau de notre collectivité. D'abord, pourquoi un débat? L'ordonnance de 2021 l'impose avant le 17 février 2022. Il devra être renouvelé dans les six mois suivant le renouvellement des assemblées. C'est un débat sans vote. De quoi parle-t-on? Cette protection complémentaire concerne deux risques importants. La santé pour les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale, le ticket modérateur, le forfait hospitalier, les dépenses de frais dentaires et optiques. La prévoyance qui couvre les pertes de salaire liées à la maladie, l'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès. Un petit rappel sur le distinguo entre la protection sociale statutaire et la protection sociale complémentaire. La statutaire, qui date de la loi de 83, prévoit que le fonctionnaire a droit à des congés pour raisons de santé, des congés de maternité, des congés liés aux charges parentales. Elle est limitée dans le temps et peut vite avoir pour conséquence d'engendrer d'importantes pertes de revenus en cas d'arrêt de maladie prolongée. La protection sociale complémentaire est une couverture sociale qui vient en complément de la protection statutaire et de la sécurité sociale. C'est un mécanisme d'assurance qui permet aux agents de faire face aux conséquences financières des risques prévoyance et santé. Où en est-on? Jusqu'au 1er janvier 2022, la loi de 2007 ouvrait la possibilité, ce n'était pas une obligation, aux collectivités d'apporter une aide financière aux agents qui adhéraient à des contrats répondant à certains critères.
L'adhésion des agents était facultative et la participation financière de la commune pouvait être uniforme ou modulable selon des critères définis. L'employeur pouvait opter soit pour la convention de participation, dans ce cas, il contractait avec un opérateur et versait une participation aux agents qui souscrivaient à ce contrat. Ou alors la labellisation, une liste de contrats proposés par des opérateurs recevait un agrément. L'agent qui souscrivait à un de ces contrats bénéficiait de la participation de l'employeur. Il était nécessaire d'opter pour l'une ou l'autre de ces deux formules, elles n'étaient pas cumulables. Quelles sont les évolutions ? La procédure prévue par la loi de 2007 a été jugée insuffisante par les trois inspections générales. Elle était appliquée de manière beaucoup trop hétérogène. La réforme qui en a découlé a été qualifiée d'avancée majeure car l'ordonnance de 2021 prévoit des évolutions importantes. D'abord, la participation de l'employeur devient obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Les retraités pourront adhérer à la convention de participation. En ce qui concerne le risque santé, la participation de l'employeur devra être au minimum de 50% d'un montant qui sera fixé par décret. En ce qui concerne le risque prévoyance, la participation de l'employeur sera au minimum de 20% d'un minimum qui sera fixé par décret. Il s'agit de voir dans cette réforme une opportunité de valoriser les agents en prenant soin d'eux. Il convient de rappeler que le décret de 85 prévoit que les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. Il faut considérer cette réforme comme un investissement dans le domaine des ressources humaines. C'est une source de motivation pour les agents qui tend à développer un sentiment d'appartenance à la collectivité. Par ailleurs, c'est un élément favorisant le recrutement et un nouveau sujet de dialogue social. Quelles sont les possibilités de choix ? Nous avons le choix entre trois possibilités. La conclusion directe par l'employeur d'un accord collectif majoritaire. Après une négociation collective avec les organisations syndicales représentatives et l'obtention d'un accord majoritaire, l'employeur peut, après une mise en concurrence, conclure un contrat collectif pour la complémentaire santé. Cet accord peut également prévoir la participation obligatoire de l'employeur au financement de la protection sociale complémentaire prévoyance et l'adhésion obligatoire des agents à toute ou partie des garanties. Le deuxième choix possible est l'adhésion à une convention de participation conclue par les centres de gestion. Nous avons en février dernier mandaté le centre de gestion. Une consultation a été lancée et la mutuelle MNT a été retenue. Nous pouvons donc nous affilier à cette convention à tout moment. Le troisième choix possible est la participation financière directe par contrat labellisé. Par dérogation, les collectivités peuvent choisir d'apporter leur participation à des contrats labellisés. Les conditions de la labellisation seront fixées par décret à paraître. Quelques données nationales. 89% des agents déclarent être couverts par une complémentaire santé. 59% des agents disposent d'une couverture en prévoyance. On peut observer une augmentation du nombre des communes qui accordent une participation financière à leurs agents au fil des années. Elles étaient 25% entre 2011 et 2017. Et atteignent actuellement 56% pour le risque santé et 69% pour le risque prévoyance. Toutefois, ces participations sont très inégales et limitées selon les collectivités. En moyenne, elles sont de 17 euros en santé et 11 euros en prévoyance. Le choix des collectivités s'est porté majoritairement sur la labellisation en santé, 62%,
mais pas en prévoyance, 41% seulement. Nous avons pensé qu'il serait bon de vous donner quelques chiffres de manière à pouvoir nous situer par rapport au national. Le taux d'absentéisme au niveau national est de 9,2% pour raison de santé hors maternité sur l'année. 41% des agents sont absents au moins une fois dans l'année. Et 3% des agents souffrent d'une longue maladie de longue durée ou maladie grave. En ce qui concerne notre collectivité, nous avons tiré les chiffres du logiciel RH au 31 décembre 2021. Le nombre d'agents concernés est de 132 titulaires et 20 contractuels. 141 à temps complet, 11 à temps non complet, 17 en catégorie A, 10 en catégorie B, 125 en catégorie C. Et par filière, 35 dans la filière administrative, 73 dans la filière technique, 29 dans la filière médico-sociale, 3 dans la filière police, 3 dans la filière sportive et 9 dans la filière animation. Le taux d'absentéisme chez nous est de 7,34% pour l'ensemble des agents permanents. On peut remarquer qu'il est sensiblement moins important qu'au niveau national. En ce qui concerne la longue maladie, la maladie de longue durée et l'invalidité, le taux qui apparaît chez nous est de 2,36%. Il est aussi un peu inférieur au niveau national. Quelle est la participation de Villers en matière de santé? La collectivité a opté pour la labellisation par délibération du décembre 2012. Le montant de participation est de 16 euros pour les agents de catégorie C ainsi que pour leurs conjoints, 14 pour les agents de catégorie B ainsi que pour leurs conjoints, 12 pour les agents de catégorie A ainsi que pour leurs conjoints et 10 euros par enfant, quel que soit le cadre d'emploi de l'agent. 85 agents bénéficient de cette participation, soit 56% des agents. Ce qui se répartit comme suit. Donc, vous avez le petit tableau qui vous montre que la participation globale sur l'année est de pas tout à fait 25 000 euros pour la collectivité. En ce qui concerne la prévoyance, il n'y a pas de participation de la collectivité. Toutefois, un contrat a été négocié pour les agents en janvier 2013. La garantie couvre 95% du traitement mensuel net et 100% du régime indemnitaire. Le 103 agents adhèrent au contrat de la mutuelle MNT qui avait été retenu, soit 68% des agents. D'autres agents ont choisi un autre organisme, mais nous n'avons pas connaissance du nombre. Le taux de cotisation est de 0,87% du traitement de base plus le régime indemnitaire. Quel est notre calendrier et notre méthode de travail? Vous avez vu, la date d'application est le 1er janvier 2022. Le débat aura lieu avant le 18 février 2022. Et nous consacrerons toute l'année 2022 à informer les agents de différentes manières, à consulter les organisations syndicales et nous leur offrirons la possibilité de faire des simulations. En 2023, nous allons exploiter les consultations que nous aurons eues en 2022 pour une décision en septembre au plus tard sur l'option retenue et sur le montant de notre participation. Il nous restera deux dates à respecter. Le 1er janvier 2025, notre participation devra
atteindre la hauteur minimum de 20% d'un montant qui sera défini par décret pour la prévoyance. Et au 1er janvier 2026, ce sera 50% toujours d'un montant qui sera déterminé par décret pour la santé. Voilà, je vous remercie. Merci. Y a-t-il des demandes de parole? Vous pouvez lever la main pour ceux qui le souhaiteraient. Non, je n'en vois pas. Donc, il n'y a pas de vote, hein, c'est ça, on est d'accord. Il n'y a pas de vote. Je voudrais ajouter quelques mots. Ce que l'on constate et qui, forcément, derrière, a des effets sur la qualité du service public rendu, d'une part, mais aussi derrière sur les coûts pour la collectivité, c'est que la situation avant la crise actuelle, qui évidemment change un tout petit peu la donne, mais que l'absentéisme et en particulier le ressenti, puisqu'on fait des enquêtes régulières avec le centre de gestion de nos agents, est en voie d'amélioration. Alors c'est un travail progressif, c'est un travail qui est évidemment une moyenne, ça n'exclut pas que tel ou tel agent puisse parfois se sentir parfois moins bien, il faut d'ailleurs y rester extrêmement vigilant, mais les choix qui ont été faits, les choix de personnes, les choix de managers et les orientations qui ont pu être données sous la responsabilité de Blandine et bien sûr des élus dans chacun dans leur secteur font ressortir aujourd'hui des conditions de travail qui sont globalement en amélioration. C'est pas une pétition de principe, ça se retrouve dans la réalité des arrêts maladie hors maternité. Donc il faut continuer dans cette direction, c'est un intérêt pour tous et pour tout le monde. C'est aussi la garantie que Villers puisse rester attractif pour les collaborateurs du service public et c'est ce qui se produit pour l'instant, c'est ce qui dessine pour l'instant et je tiens à remercier d'une part les DGS successifs et les équipes de management. Voilà. Merci beaucoup, je vous propose de passer à la délibération sujet numéro 2, les modalités de prise en charge d'une action de formation dans le cadre du fameux CPF, le compte personnel de formation, qui nous vaut tant de textos étranges et frauduleux. L'ordonnance de 2017 et son décret d'application ouvrent aux agents territoriaux la possibilité d'accéder à une formation en dehors de celle relative à leur fonction, n'est-ce pas ? Ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à une évolution, une promotion, une reconversion professionnelle. L'employeur prend à sa charge les frais pédagogiques rattachés à la formation. Il peut ajouter à sa participation les frais de déplacement et des plafonds peuvent être fixés par délibération. Les modalités de prise en charge proposées dans cette délibération sont les suivantes pour notre collectivité. Les frais pédagogiques seront pris en charge au prorata du nombre d'heures acquises par l'agent et dans la limite de 1 000 euros dans l'année civile. Le solde sera à la charge de l'agent ainsi que les frais annexes, transport, hébergement, restauration. En cas d'absence de l'agent à la formation sans motif valable, il devra rembourser les frais. 3 ans devront s'écouler entre 2 formations accordées à un agent. Le budget annuel alloué sera de 3 000 euros. Les demandes seront recensées chaque année. Elles seront examinées par l'autorité territoriale et une réponse sera donnée dans les 2 mois. Pour examiner les demandes, une instance consultative paritaire composée de 2 représentants du personnel, de l'élu délégué au RH et du directeur des services sera mise en place.
Les décisions tiendront compte des critères de priorité fixés par le décret, à savoir prévention d'un risque d'inaptitude physique, validation des acquis de l'expérience par un diplôme, préparation aux concours et examens. Il est proposé au conseil municipal d'approuver ces modalités et plafonds de prise en charge du compte personnel de formation, d'inscrire les crédits nécessaires au chapitre du budget prévu à cet effet et d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions et actes s'y rapportant. Merci. Des questions sur ces orientations qui ont été présentées au comité technique et approuvées? Pas de questions particulières, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux, elles et eux. Au rapport de Marie-Claude Delus, l'adhésion au dispositif Pass Culture du ministère de la Culture. Merci Monsieur le maire. C'est un véritable plaisir de vous proposer cette délibération pour un dispositif totalement en phase avec la politique jeunesse de notre ville. En effet, le Pass Culture favorise l'accès à la culture pour les jeunes de 18 à 25 ans. Il a été mis en place par le ministère de la Culture en février 2019 dans 14 départements à titre expérimental. Il est généralisé aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Et depuis janvier 2022, les jeunes à partir de 15 ans bénéficient également de nouvelles mesures individuelles entre 20 et 30 euros selon leur âge, mais aussi les établissements scolaires se voient allouer une part collective pour les sorties scolaires, les musées, les visites de musées, les spectacles, etc., à hauteur de 20 à 30 euros par élève selon leur âge également. Le Pass Culture permet d'avoir accès à partir de ses 18 ans, et cela pendant 2 ans consécutifs, à une application mobile géolocalisée gratuite sur laquelle chaque jeune scolarisé ou non, et parfois même éloigné de la culture pour diverses raisons, se voit allouer un crédit de 300 euros pendant 24 mois. Cette application leur permet également de découvrir la richesse des offres culturelles, notamment de proximité, les offres communales, métropolitaines, mais aussi régionales ou nationales. Et il leur permet également de réserver ce dont ils souhaitent bénéficier en fonction des propositions culturelles et numériques à destination des jeunes. Le Pass Culture répond aux pratiques sociales de consommation des nouvelles générations. C'est un dispositif d'aide financière, au même titre que les bons CAF, ANCF, chèques vacances, mais en plus facile d'utilisation. Et c'est aussi un outil centralisant l'information artistique et culturelle d'un territoire. Sont éligibles au Pass Culture les visites des lieux culturels, les cours et ateliers, les places ou abonnements pour les spectacles, cinéma, festivals, les achats de livres, de DVD, de disques, instruments de musique, tablettes, jeux vidéo, abonnements en ligne, etc. Il est mis en place par une société à action simplifiée, la SAS Pass Culture. Le déploiement national est accompagné d'une vaste campagne de communication réalisée par le ministère de la Culture, mais aussi, et c'est très important, par nous tous, par les villes, les associations, les lieux culturels et scolaires, les sites internet. Il est important de faire vraiment passer cette information à tous nos jeunes. En étant partenaire du Pass Culture, la collectivité disposera d'un compte lui permettant de référencer les offres culturelles qu'elle organise, qu'elles soient gratuites ou payantes. Dans le cadre d'une offre payante, réservée via l'application, par exemple le prix d'une place de spectacle, la somme due sera intégralement reversée à la collectivité par la SAS Pass Culture, et cela jusqu'à hauteur de 20 000 euros
Évidemment, cela s'adresse aux grandes structures, par exemple le Zénith, les opéras, les festivals, parce que 20 000 euros, c'est déjà une somme importante. La convention de partenariat avec la SAS Passe Culture fait l'objet de cette délibération. Elle est valable un an et peut être renouvelée par tacite reconduction dans la limite de 5 renouvellements. Cette convention sera aussi un exemple pour motiver nos associations et les faire adhérer également à ce dispositif simplifié, je le répète, afin de pouvoir faire profiter tous nos jeunes Villarois, notamment, de ce dispositif. D'une part, financièrement, grâce au crédit de 300 euros, mais aussi pour les orienter sur les éducations artistiques, sur les spectacles, leur permettant d'accompagner et de redynamiser notre reprise d'activités culturelles. Dans ce but, nous allons organiser une réunion d'information qui aura lieu le 9 février prochain à 14h avec un représentant de la DRAC au centre des Écrins qui expliquera plus en détail comment adhérer à ce pass culture. Et nous y accueillerons donc nos associations qui ont été conviées et également toutes les personnes qui souhaiteront des informations. Et pour plus d'informations d'ailleurs, il y a le site passe.culture.fr. Après avis favorable de la commission compétente, considérons que le dispositif Passe Culture permettra aux jeunes d'accéder à une offre culturelle de qualité qu'il contribuera à élargir les moyens de la commune pour toucher ce public, à promouvoir de manière autonome et gratuite la programmation culturelle municipale et enfin à accompagner et dynamiser la reprise de l'activité culturelle. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat ainsi que ses annexes et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention de partenariat avec la SAS Passe Culture et tout autre document relatif à cette convention. Merci Marie-Claude, merci pour ce très beau projet. La parole est à Anne-Marie Vergnat. Oui, je voulais juste donner quelques précisions parce que je trouve qu'il est très important de faire connaître ce dispositif à un maximum de personnes parce que c'est un dispositif très intéressant. Je trouve que la culture, c'est un bien essentiel. Ça permet l'ouverture vers les autres, ça permet d'autres expériences. C'est vraiment quelque chose qui facilite l'ouverture des jeunes et il faut vraiment le faire connaître parce que surtout pour les jeunes qui n'ont pas du tout ces habitudes-là et qui n'auront pas forcément les informations. Donc, j'en avais déjà parlé en commission, mais je pense qu'il est très, très important de faire une grande publicité sur ce modèle-là. Merci. C'est notre devoir à tous, d'ailleurs, d'informer au maximum tous les jeunes que nous croisons, par tous les biais possibles. Je souscris d'autant plus à cette proposition que on sait très bien que certains publics ont la barrière du prix et ont quelquefois aussi la barrière de l'information ou de se dire c'est pour moi. Voilà, donc je pense qu'on aura peut-être un travail spécifique à faire et merci effectivement de cette proposition. Je crois que c'est avec un produit comme ça qu'on peut peut-être aller toucher de nouveaux publics jeunes. D'autres prises de parole ? Non, je vous remercie. Je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour eux. Toujours au rapport de Marie-Claude Delus, un avenant à la convention de partenariat avec Culture et Bibliothèque pour tous. Cette délibération porte sur un avenant à la convention de partenariat triennal avec l'association Culture et Bibliothèque pour tous de Meurthe-et-Moselle. La ville et le réseau des bibliothèques pour tous sont engagés de longue date dans le développement de la lecture publique pour tous les Villarois et en particulier pour les enfants et jeunes adolescents. Cet engagement réciproque se traduit par une convention de partenariat pluriannuelle
qui a été notamment adopté la dernière fois par le Conseil municipal du 29 juin 2020 et qui arrivera à échéance le 31 août 2023. Elle prévoit la prise en charge par la commune chaque année scolaire des frais d'inscription des jeunes Villarois auprès de chacune des trois bibliothèques du réseau pour un montant individuel de 12 euros. Les bénéficiaires de cette aide municipale sont les enfants des familles résidant à Villers-lès-Nancy et ou inscrits dans l'une des écoles publiques maternelles et élémentaires de la commune, en incluant le groupe scolaire maternel et élémentaire du Placiu. Le dispositif est également accessible aux enfants villarois scolarisés dans un collège public du ressort du syndicat intercommunal scolaire de l'agglomération nancéienne. Nous avons actuellement environ entre 180 et 200 enfants inscrits par le biais de la ville à Bibliothèque pour tous. Cependant, au vu de la transformation de la démographie villaroise et afin de permettre l'accès à la culture de tous les publics, y compris la petite enfance, il est proposé que le public concerné par cette aide soit élargi à tout jeune enfant résidant à Villers-lès-Nancy et non encore scolarisé, mais aussi aux assistantes maternelles établies à Villers-lès-Nancy pour le compte des enfants qu'elles accueillent. Et ces enfants-là peuvent être, ne pas être de Villers, peuvent ne pas être villarois. À Villers, nous avons recensé, la CAF, le chiffre de la CAF était de 323 enfants en décembre 2020 et nous avons environ 70 assistantes maternelles. Nous souhaitons par cet avenant, favoriser la lecture du jeune enfant. C'est très important d'initier les jeunes enfants à avoir accès à la lecture pour tous et notamment pour ceux qui ne sont pas scolarisés. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver cet avenant avec l'association Culture et Bibliothèque pour tous de Meurthe-et-Moselle et d'autoriser Monsieur le maire à le signer. Merci. Et vous parler aussi de son expérience avec la ludothèque. Tu pourras le faire à l'occasion de la réponse. La parole est à Anne-Marie Vernia et ensuite à Olivier. Il faut prendre le micro, Anne-Marie, sinon c'est bon. Je croyais l'avoir pris. Encore une fois, je me réjouis de ce projet, parce que pour moi, prendre l'habitude de lire et le plaisir de lire, ça commence dès le plus jeune âge et bien avant l'école. On sait que ça se fait déjà dans les crèches. Certaines assistantes maternelles le font aussi, mais ce projet-là va faciliter les choses. Et va permettre aussi aux enfants de rentrer très tôt dans les bibliothèques. Ces bibliothèques pour tous, qui sont quand même des bibliothèques de proximité, donc très faciles pour les parents, même si elles ne sont pas ouvertes tout le temps, puisque ce ne sont que des bénévoles qui les gèrent. Mais c'est quand même une facilité de cette proximité-là. En plus, les bibliothécaires connaissent très bien leur public rapidement, puisqu'elles n'en ont pas beaucoup, et elles ont un accueil bien plus facile. Donc, vraiment, je suis vraiment très, très contente de ce projet-là. Merci. Merci, Olivier Roux. Oui, merci, Monsieur le maire. Merci, Anne-Marie et Marie-Claude, pour cette présentation. Effectivement, on est dans le prolongement de ce qu'on fait déjà avec les enfants scolarisés. Mais là, on veut toucher un nouveau public, comme vous l'avez tous précisé. On s'est rendu compte qu'avec notre ludothèque, qui était finalement à côté d'une bibliothèque, eh bien, les enfants, les petits, avaient aussi envie d'aller vers ces livres. On a expérimenté ça également, rappelez-vous, au mois de novembre, quand on a eu le forum des assistantes maternelles, il y avait deux conteuses qui sont venues intervenir et les petits étaient vraiment ravis de ça. Et donc, je pense que ça rentre bien dans cet élargissement de la culture pour tous. Donc, j'espère que cette délibération aura votre accord à l'issue de ce débat. En tous les cas, pour nous, c'est une belle fierté de pouvoir accompagner les enfants dès leur premier âge.
Oui, merci. En complément, sauf si Marie-Claude veut ajouter quelque chose sur la ludothèque, mais je crois qu'Olivier l'a fait, en tout cas. Juste pour indiquer que ce projet vient évidemment de la volonté municipale, mais il vient aussi de la volonté de la Bibliothèque pour tous, dont nous avons la chance d'avoir des équipes qui sont extrêmement dynamique, très tourné vers la lecture jeune et très jeune. Et donc, je crois qu'on ne peut que s'en féliciter, puisque, comme ça a été rappelé par notre collègue Anne-Marie Vernière, on s'appuie sur des bénévoles. Derrière, ça nous permet d'avoir un accès à la lecture au meilleur prix et au meilleur coût. Voilà, je pense que ça mérite de temps en temps un bon petit coup de chapeau. Marie-Claude a demandé la parole. Remords. Oui, je voulais expliquer le lien avec la ludothèque. En fait, au Placieux, il y a la ludothèque où viennent des enfants très jeunes et souvent les parents ont regretté justement ou les assistantes maternelles de ne pas avoir accès à Bibliothèque pour tous pour les enfants. Et ça a été au départ le Placieux qui a un petit peu fait remonter ces informations intéressantes, importantes et qui ont débouché sur cette délibération. Voilà. Merci, je la mets donc aux voix, si Marie-Claude peut abaisser sa main, merci. Je la mets donc aux voix, qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Toujours au rapport de Marie-Claude, une convention de partenariat avec la ville de Vendeuvre-les-Nancy, ville voisine et amie, portant réalisation d'une soirée de festival Vendjazz. Vendjazz, c'est l'ancien Vendinfluence ou c'est... Non, c'est complémentaire, c'est autre chose. Alors, il y a les deux. Éclairez-moi, Madame la Jointe. Éclairez-nous. Alors, Vendjazz, c'est un festival organisé par la ville de Vendeuvre, effectivement, avec laquelle nous sommes partenaires depuis 8 ans. Et donc, depuis 8 ans, Villers-les-Nancy participe dans le cadre de sa politique culturelle à ce festival Vendjazz. Et ce partenariat avait été reconduit déjà avec un concert du Modern Art Trio, prévu le 8 avril 2020, mais qui n'a pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Et je voudrais vous préciser d'ailleurs que le Modern Art Trio est dirigé par Daniel Humer, batteur, musicien de jazz, peintre, l'un des derniers poids lourds européens du jazz et qui a joué notamment avec Miles Davis. Le festival Vendjazz étant reprogrammé cette année, du 8 au 22 mai, la municipalité de Villers-les-Nancy souhaite s'associer à ce festival pour une soirée qui entre dans notre thématique jazz à Villers. Et donc, nous voulons accueillir le Modern Art Trio et le Trio Arcan en première partie le 21 mai prochain à la salle Jean Ferrat. Mais c'est aussi dans une logique de soutien à la création et à la diffusion artistique tant malmenée par la crise que nous souhaitons proposer ce concert décentralisé. Il est à noter que durant le festival, la ville de Vendeuvre accueillera l'exposition de peinture de Daniel Humer au domaine du Charmois. Cette exposition à l'origine avait été programmée en 2020 à la galerie Madame de Graffigny, ce qui n'est plus possible en 2022 pour des raisons de planning de la galerie. Voilà, donc la mise en œuvre administrative et financière de ce partenariat fonctionne de la manière suivante. Vendeuvre-les-Nancy règle la totalité des sommes dues aux artistes du Modern Art Trio et de la première partie Trio Arcan. Elle prend en charge les frais d'accueil, la billetterie, la location des instruments et elle encaisse les recettes du spectacle. Villers-les-Nancy fournit le lieu de la représentation, l'équipe technique règle les droits d'auteur de la soirée et la restauration des artistes le soir du spectacle. Les recettes de billetterie seront partagées par les deux collectivités selon la quote-part des frais réellement engagés par chacune d'elles.
Donc, en fait, c'est un partenariat qui permet vraiment de diviser les frais, les recettes et les dépenses en deux. Et donc, nous vous demandons, il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes du contrat de partenariat à intervenir entre la ville de Villers-les-Nancy et la ville de Vendeuvre-les-Nancy selon les modalités ci-dessus et d'autoriser Monsieur le maire à le signer. Merci. Des demandes de parole ? Non, merci pour cet partenariat très, très concret en matière culturelle. Ça fait déjà plusieurs années qu'on collabore avec Vendeuvre. En voilà une supplémentaire et avec effectivement une bonne manière, puisque effectivement le malheureux Daniel Humer n'a pas pu exposer à la galerie de Graffini, dont la programmation est faite entre 18 mois et 2 ans à l'avance, et par conséquent n'était pas reprogrammable. Je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Une nouvelle délibération au rapport de Marie-Claude Deluce, le partenariat avec l'association Loisirs et Culture. Alors, nous restons dans le jazz pour la production de concerts de jazz à Villers. C'est une convention de partenariat avec l'association Loisirs et Culture. La ville de Villers coordonne un cycle annuel de programmation artistique Jazz à Villers en lien avec des partenaires locaux afin de valoriser une programmation de musique jazz grand public et de qualité dans plusieurs lieux de la commune, en particulier avec des concerts de petits ensembles en format club au théâtre de la Roëlle. Après une période d'arrêt forcé de la programmation en raison de la crise sanitaire, la commune souhaite accompagner la reprise des activités artistiques et culturelles en reconduisant le partenariat avec l'association Loisirs et Culture afin de réaliser ses concerts club pour la saison culturelle 2021-2022. Un concert du quartet Michel Maïs a eu lieu le 26 novembre 2021 et le cycle est complété par les concerts suivants. Le vendredi 14 janvier a eu lieu le concert Trio Tu Danses et le vendredi 13 mai est programmé Back to Sea. La mise en œuvre administrative et financière de ce partenariat s'organise donc de la manière suivante. L'association Loisirs et Culture est l'organisateur des concerts. Elle prend en charge le volet administratif, technique, logistique, la rémunération des artistes, l'accueil des artistes et du public dans le lieu de représentation. Elle émet la billetterie, assure la communication des concerts dans le cadre de sa programmation habituelle. La ville est partenaire du projet. Elle intègre les concerts dans la saison culturelle et dans Jazz à Villers en particulier. Elle assure la promotion et la communication de ces concerts. Elle cofinance l'opération sur présentation du budget et permet à l'association Loisirs et Culture, bien sûr, d'atteindre l'équilibre budgétaire qui est important pour cette association qui ne doit pas avancer d'argent pour cela. En fait, Loisirs et Culture est le facilitateur de ces concerts. Après avis favorable de la commission compétente, il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes du contrat de partenariat entre la ville de Villers-les-Nancy et l'association Loisirs et Culture selon les modalités ci-dessus et d'autoriser Monsieur le maire à le signer et ses avenants le cas échéant. Merci Marie-Claude. Y a-t-il des demandes de parole ? Non. Juste deux brefs commentaires. Le premier, remercier l'association Loisirs et Culture qui joue pleinement le jeu sur ce type de partenariat pour ouvrir au maximum un caveau qui est digne de celui de la Huchette, à ceci près qu'il n'est pas proche de la Seine à Paris, mais sinon, et qui est surtout un écrin d'ambiance absolument exceptionnel et parfaitement adapté à des concerts
un peu intimiste de jazz. C'est vraiment profiter de ces spectacles qui sont absolument splendides et rendus d'autant plus splendides par la qualité et par l'ambiance du caveau. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Marie-Claude Deluz va pouvoir se reposer et laisser la scène, cette fois, à Didier Bégoin pour une convention relative à l'utilisation du gymnase Scheffer, encore propriété du syndicat intercommunal scolaire. Effectivement, monsieur le maire, mes chers collègues, donc cette délibération, pardon, la convention un peu de renouvellement de l'utilisation du gymnase Georges Scheffer, et comme vous l'avez dit, monsieur le maire, donc le gymnase n'est pas propriété de la ville de Villers, mais du syndicat intercommunal scolaire du premier cycle. Le SPS donc nous met à disposition gracieusement cet équipement. Vous voyez que tous les frais sont pris en charge par le SIS. À noter, mais bien sûr, je pense que vous avez lu attentivement cette convention, il y a un article important sur le protocole sanitaire à mettre en place dans les installations sportives. Et puis, vous voyez donc bien évidemment que l'utilisation de ces gymnases est, la journée est faite par les collégiens de Georges Scheffer, et en soirée et les week-ends par les clubs villarois. Donc, cette convention est conclue à partir du 1er janvier pour une durée d'un an. Et donc, il vous est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de cette convention et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci. Merci. Y a-t-il des remarques? On est dans la continuité hein, de ce point de vue-là. Et les perspectives de dissolution du syndicat intercommunal scolaire ne changeront très probablement pas ce bon partenariat entre un propriétaire et des utilisateurs associatifs. Je le mets aux voix. Qui est contre? Oui, pardon, je n'ai pas demandé s'il y avait des prises de parole, pardonnez-moi. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Au rapport d'Anne Touvenot. Une convention de mise à disposition de la plateforme numérique métropolitaine de participation citoyenne. Alors, dans le cadre de sa démarche collective de démocratie participative et en complémentarité du dialogue de proximité organisé par les 20 communes, la métropole du Grand Nancy souhaite développer une logique de bonnes pratiques permettant de faire vivre la coopération entre les élus, les citoyens au quotidien. Pour ce faire, elle a développé une plateforme métropolitaine de participation numérique associant les acteurs, usagers et citoyens du territoire dans l'élaboration des politiques publiques. Je participe Grand Nancy. La plateforme permet de promouvoir des projets, de recueillir l'avis des habitants et ainsi favoriser le lien entre collectivités, les élus et les citoyens. Les habitants peuvent ainsi s'exprimer, formuler des propositions, interagir entre eux et répondre à des questionnaires. Elle permettra aussi une visibilité de l'ensemble des démarches de participation qui dépassera les frontières communales grâce à un outil unique. La métropole a porté son choix sur la solution open source Décidim. Ce service, estimé à 14 000 euros TTC par an, sera intégralement supporté par le Grand Nancy qui propose à chacune des 20 communes un hébergement gracieux de leur démarche de concertation. Dans l'esprit collectif de mise en place du réseau des acteurs de la participation citoyenne, cette démarche permettra également de partager des retours d'expérience. Il vous est donc proposé d'approuver les termes de la convention portant le règlement de mise à disposition et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte y référent. Merci Anne. Des remarques, des questions? Non, on voit bien que c'est un produit qui nous est indispensable, principalement
parce que les problématiques de la métropole du Grand Nancy nécessitent de plus en plus souvent, évidemment, un travail de participation citoyenne. Donc, il faut bien sûr faire partie de ce mouvement. Ça ne sera pas la plateforme ou le moyen exclusif de travail sur la participation citoyenne. On en a d'autres en complément de ce dispositif, mais c'est un dispositif qui est tout à fait intéressant et qui vient compléter très utilement et surtout épauler aussi la métropole sur ces concertations. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Au rapport de Valérie Rampon, les suites des préconisations de la Chambre régionale des comptes de 2020. Donc effectivement, nous avions reçu la Chambre régionale des comptes qui nous avait fait un rapport que nous vous avions déjà présenté en conseil municipal. Donc nous allons faire ici, vous présenter le bilan des actions qui ont été réalisées. Donc, pour vous rappeler, la Chambre régionale des comptes, CRC, elle a pour mission d'examiner la gestion des collectivités territoriales en regardant la régularité des actes de gestion, l'économie des moyens mis en œuvre et l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'Assemblée délibérante. Donc, le dernier examen de la Chambre régionale des comptes a été présenté en conseil municipal le 14 décembre 2020. Il portait sur la période 2011 à 2017. Les suites données au rapport doivent donc vous être présentées ce soir et dans un délai d'un an maximum au conseil municipal. Donc, le rapport abordait les pistes de réflexion suivantes. Elles étaient au nombre de trois: la mutualisation, le régime des prévisions et la gestion du patrimoine. Si on regarde la mutualisation, le rapport indiquait trois formes de mutualisation: les groupements de commandes, les mises à disposition d'équipements de services et les services communs. Il relevait un point positif, la multiplication des formes de mutualisation depuis 2014. Et il relevait un point d'amélioration qui portait sur l'absence d'évaluation des économies d'échelle réalisées grâce à la mutualisation. Donc, par rapport aux actions déjà mises en place, la ville a intégré plusieurs groupements de commandes gérés par la métropole. Elle a également adhéré à un groupement initié par la ville de Ludres avec quatre autres communes de la métropole pour l'entretien des terrains de sport. Et elle a également mutualisé avec le CCAS les besoins dans le cadre de la négociation des marchés d'assurance cette année. Les actions en cours. La métropole a lancé une nouvelle étape dans le schéma de mutualisation, plaçant comme responsabilité territoriale le maintien de la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Et la commune, consciente des atouts de cette démarche en termes de qualité de service public et d'économie de gestion, s'inscrit avec un intérêt tout particulier et participe donc aux travaux engagés sur la mise en commun des moyens pour mettre en place des conditions favorables à un service public de qualité avec les moyens le plus juste possible. Pour le cas particulier des services informatiques, puisqu'effectivement la CRC relevait un point négatif en nous indiquant l'absence d'évaluation des économies réalisées par l'adhésion au service de la DSIT, et l'évaluation est impraticable compte tenu du saut qualitatif qui a été réalisé en termes de sécurité et de maintenance. Il ne faut pas simplement regarder, je dirais, les coûts. Il faut aussi regarder les aspects cybersécurité, et on voit avec les nombreuses attaques qui peuvent avoir lieu un peu partout, la complexification aussi des architectures réseau aujourd'hui, de plus en plus de dématérialisation, et on le voit encore ce soir avec ce conseil municipal en visio, l'évolution des modes de travail. Donc la DSIT, elle s'engage toujours dans une nouvelle convention de mutualisation prévoyant un suivi de la pertinence de ces lignes stratégiques, et la ville prend vraiment toute part dans cette réflexion. Si on regarde la gestion budgétaire, au niveau des prévisions, deux points d'attention étaient portés à notre commune. Un point technique sur l'affectation des provisions qui a été déjà traité dès la délibération du 14 décembre 2020, donc qui est complètement clôturé. Et un point sur l'absence de provisions pour les comptes épargne-temps. Comme déjà expliqué, la commune ne prend pas en compte le compte épargne-temps dans le régime de retraite additionnel et ne conclut pas non plus de convention
prévoyant un partage financier avec les autres collectivités en cas de mobilité externe. Donc, c'est un choix de la commune de ne pas constituer de provision résultant d'une décision RH interne. Et ce n'est pas une obligation non plus de le faire. Concernant le patrimoine, le rapport faisait état d'écart entre la valeur du patrimoine constaté par le comptable public et celle de la ville. Ben, ces écarts sont malheureusement très fréquents quand on a un patrimoine très ancien comme l'est celui de notre commune. Et la reprise de l'inventaire nécessite un très, très gros travail de fond. Cependant, nous avons déjà engagé des actions 2021, notamment un service logistique. Un recensement a été fait et intégré à un fichier avec une application de code barre sur le matériel recensé. Il reste maintenant l'exploitation du fichier qui va permettre de faire un rapprochement avec les immobilisations et un travail de toilettage, même partiel, de cet inventaire. Bien évidemment, la commune souhaite aller dans le sens des préconisations de la Chambre régionale des comptes en maintenant son engagement dans la mutualisation métropolitaine par une implication dans les discussions sur ces évolutions et en trouvant également de nouvelles pistes de mutualisation avec d'autres communes, comme nous l'avons déjà fait, en poursuivant le travail sur la fiabilité des comptes et en continuant à travailler notamment sur une stratégie pluriannuelle d'investissement pour favoriser la situation financière saine qu'a relevé la Chambre régionale des comptes pour notre commune. Merci Valérie. Des questions sur ce sujet ? Non, je voudrais juste en complément, mais l'explication était très complète, mais pour essayer de la résumer complètement, si nous ne provisionnons pas nos comptes épargne-temps, c'est parce que nous ne monétisons pas. Et donc, il y a une provision est faite pour faire face à une charge ultérieure. Or, nous n'avons pas de charge ultérieure puisque nous avons seulement des prises de congés liées au compte épargne-temps. Et ça, c'est effectivement le choix que rappelait Valérie. Ça a été discuté. C'est le propre des villes pauvres. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Vous savez, c'était un rapport très, très laudateur, enfin, en tout cas très positif. Il nous reste une délibération et une information. La délibération, c'est l'annulation d'un titre de recette sur un exercice antérieur. Donc, effectivement, Monsieur Hamid Segour avait loué le château de Madame de Graffigny pour une cérémonie de mariage le 12 novembre 2021 et il a subi de multiples avaries, je dirais. Et donc, nous avions émis un titre de recette de 1 250 € le 1er décembre 2021 et compte tenu de tous les désagréments qu'il a subis, malheureusement, il a accumulé. Nous proposons effectivement d'annuler ce titre de recette et d'octroyer une remise gracieuse à M. Hamid Segour avec toutes nos excuses également pour les désagréments qu'il a pu subir pour cette cérémonie de mariage. Oui, merci. Je devance toute question éventuelle pour vous dire, beaucoup d'entre vous ont dû voir le film de Nakash et Toledano, Le sens de la fête. C'est ce qui s'est produit. C'est ce qui s'est produit, donc rien n'a marché. Et par conséquent, les parents du marié ont passé leur mariage en anorak. Le chauffage ne marchait pas, mais le four ne marchait pas. Bref, rien n'a marché, donc je vous conjure de voter cette délibération qui correspond à un geste commercial que n'importe quel loueur aurait été amené à faire dans un cas comme celui-là, ajouté aux excuses, puisque des mariages, on n'en a pas tous les jours dans son existence. Voilà. Je le mets aux voix, qui est contre ? Qui s'abstient, merci pour nous, ça nous permet de rester dignes, je vous assure. Nous avons, à la demande de notre collègue Gillian Simonin,
prévu une information sur une délibération du bureau métropolitain, qui d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a dans le règlement intérieur ou pas, mais qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas, peut enclencher peut-être une bonne pratique. C'est vrai, alors ce n'est pas forcément nécessaire pour toutes les délibérations, mais certaines peuvent prêter à besoin d'informations plus importants que d'autres, et celles-ci sans doute. Donc peut-être qu'on le fera aussi à l'avenir pour d'autres délibérations. Je propose peut-être que Stéphane Klopp, s'il le souhaite, nous remette dans le contexte et je compléterai si nécessaire. C'était peut-être Madame Simonin qui voulait poser la question, non ? Non, je crois que ce n'est pas une question, c'était plutôt une... Enfin, à ma connaissance, c'était une demande, D'accord. disons, d'information. Voilà, Alors, la demande d'information portait sur une vente de terrain de la métropole sur le plateau de Villers à l'entreprise CFAM. L'entreprise CFAM est près de la Ligue de tennis, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas, et elle produit des masques pour l'apnée du sommeil. Alors, elle souhaite doubler sa production hein, aujourd'hui, et donc en doublant sa surface également de production, et en rachetant une parcelle de la métropole qui était partiellement en ENS, ce qui déjà était surprenant parce que normalement l'ENS aurait dû suivre le parcellaire. Le département a reconnu que le découpage avait été un peu étrange. Voilà, donc à la clé, c'est 80 emplois sur la commune de Villers. Et donc, la commune a été amenée à faire une sorte de petite médiation avec les associations environnementales hein, dans le cadre de l'ENS. Et j'ai rencontré donc, les associations, notamment de Vibra, Florène, Flore 54. Et notre relation de confiance a permis à ce que ces associations acceptent qu'une partie de la parcelle soit sortie du périmètre ENS. Et donc, nous avons une cession au profit de ces femmes d'une emprise d'environ 2/3 de la parcelle cadastrée, section AL numéro 276, sur une profondeur de 19 mètres et sur l'intégralité de sa longueur, soit une surface d'environ 2320 m². Et le fond de la parcelle, lui, reste en ENS et sera à terme reclassé en zone naturelle pour une surface de 1050 m². Donc, un partage environ 2/3, 1/3. Voilà. Donc, je salue quand même les associations environnementales qui nous ont suivis sur ce dossier. Et aussi, ça nous a permis de régler un problème technique qui était de rechercher un accès pompier, un accès technique au plateau, parce que pour l'instant, il se faisait derrière le collège et n'était pas très pratique. Donc, des interventions donc des pompiers en cas d'incendie et les interventions techniques, notamment les fauches sur le plateau, et également, dans le cadre de l'éco-pâturage, permettre à l'éleveur de déposer ses moutons ou d'amener une tonne à eau. Voilà. Donc, la ville aura un accès sur cette parcelle, ces femmes, et pourra mettre en relation donc, la métropole et l'agriculteur quand ce sera nécessaire pour cet accès. Voilà. Votre micro, monsieur le maire. Oui, merci. Merci, Eric. Je disais donc une opération qui s'est faite en plein accord, effectivement, avec l'ensemble des acteurs de l'ENS, donc dans des conditions environnementales satisfaisantes, effectivement, correspondant à une étrangeté de peut-être un mouvement de plume, peut-être un petit peu abusif, mais qui, en revanche, nécessitait toute l'instruction que Stéphane a conduite et accompagnée, comme il l'a rappelé. Je disais quelques mots quand même sur cette entreprise CFAM, qui est une des perles de la métropole. L'arbitrage, c'était sinon quitter la métropole, qui n'est évidemment pas quand même forcément une perspective particulièrement enthousiasmante dans le cadre d'une entreprise qui exporte aux États-Unis près de 70% de sa production. Un fleuron de cette discipline qui d'ailleurs s'est aussi impliqué
dans la crise actuelle, puisque qui fait des respirateurs peut faire aussi ce type d'équipement quand on connaît la situation de certains patients Covid. Donc, une société absolument stratégique pour notre territoire, mais ça n'est pas la raison première pour laquelle on a déclassé. On a déclassé parce que, environnementalement parlant, c'était faisable. Voilà, écoutez, je vous remercie tous. Le pull de Noël de Laurent Mathieu m'invite à vous rappeler qu'il vous a aussi invité, puisqu'on ne pouvait pas, dans le contexte sanitaire, malheureusement, faire le chœur des 80 chanteuses qui sera fait en 2023 pour la Journée internationale du droit des femmes, qu'il vous a sollicité, élu homme comme élu femme, pour participer à la Journée internationale donc du 8 mars 2022, avec un schéma, une lecture choisie et une lecture faite par un binôme homme-femme. Donc, merci de bien penser à le contacter. Ce serait vraiment bien qu'on ait le plus grand nombre de participants possible. Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 28 février 2022. Donc, qu'on se le dise. Et à très bientôt à tous. Et bon courage d'ici là. Espérons peut-être qu'on pourra se retrouver quand même en présentiel. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci.